Monsieur le ministre, vous venez de terminer votre discours, premier discours que vous réalisez en tant que chef de gouvernement. Comment est-ce que ce discours s'est déroulé et quelles étaient surtout les priorités que vous avez voulu souligner aujourd'hui ? Alors d'abord, c'est une grande émotion, c'est un grand honneur de porter la parole de Monaco devant 190 États, 192 États. C'est un endroit pas seulement symbolique, c'est aussi l'endroit où on sent battre le cœur du monde, c'est le baromètre de la situation de la planète, aussi bien dans les crises que dans les sujets qui faisaient l'objet de mon discours, qui étaient le changement climatique, les océans, la biodiversité, l'éducation. Et donc cet endroit-là représente ce que le monde a fait de mieux, de mon point de vue, pour au moins se parler, même si on a constaté tout au long de cette semaine que notre monde était en crise, que notre monde vivait une période extraordinairement douloureuse de son histoire. Il y a eu ici des déclarations d'intention très fortes pour dire que la coopération devait l'emporter sur la guerre. J'espère que ces vœux ne resteront pas pieux. L'environnement était bien entendu au cœur de votre discours, c'était l'un des sujets phares. On peut revenir sur l'accord de Paris, accord que vous aviez d'ailleurs signé ici au mois d'avril dernier. Absolument. C'est un accord majeur dans l'histoire des relations internationales. On voit bien que si on n'arrive pas à s'entendre sur le climat,